Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 21ème épisode de notre Let's Play Space Engineer saison 3 en coop avec XK sur Pertam, et aujourd'hui on va replacer nos tourelles où il faut aller en route. Par contre la ligne de convoyeur qui est là, je peux la démonter. Celle qui est... Ah, oui, celle-là, oui. Oui. Et à la limite... Je peux mettre une jonction de convoyeur. Ah bah... Voilà. T'as vu, j'avais fait tomber des trucs? Non, t'as pas vu. Bah, cela c'était moi. Ah. De l'un côté, c'était toi. T'as vu, t'avais fait tomber des trucs? Alors, je me pose la question de mettre des jonctions de convoyeur à cet endroit-là. Bah, ah, tu veux dire juste pour le raccordage? Il faut que je connecte, là, ouais. Et puis une en dessous pour que ce soit un petit peu plus structurel. J'aurais pu mettre un bloc, n'importe quoi en dessous, une batterie. Oui, ça... Mais à la limite, t'aurais mis une batterie, et on en aurait finalement pas voulu, ça aurait été gâché. Je vais mettre une batterie, pour gâcher. Qu'est-ce qu'a fait Clang? C'est moi, j'ai fait tomber des trucs. Je vais voir, c'est bon. Ok... Alors là, par contre, il y a un paquet de convoyeurs, je sais pas où est-ce qu'ils vont, par où ils passent. C'était pour alimenter quoi, ça, historiquement? Et la passerelle par-dessus. Ouais, la passerelle, elle peut dégager. Bah, c'était pour la tourelle de devant. Je pense. Ouais, sous ça, on peut dégager. Ça arrivait vers la tourelle de devant. Encore. Oups. Ça, c'était structurel. La vache. On est d'accord, oui. C'est pas grave. Je te le confirme maintenant que tu le dis. Ok, tu veux qu'on démonte tout ou on le rapproche? Oh, on peut démonter. Ok, ça marche. Je sais juste que quand j'ai mis une soudeuse, là, pour pouvoir soulever la batterie. Mais il n'y a rien qui arrive dessus, je sais pas pourquoi. Sur quoi on tire? Ok. On est plein de steel plate, pourquoi ça marche pas? C'est sous mes vieilles Gatling. Oh, on a une Gatling. C'est bizarre, j'ai fait une soudeuse, mais elle soude pas ce qu'il y a à côté d'elle. Est-ce que tu l'as allumée? Bah ouais. Est-ce que tu lui as demandé gentiment? Ouais, j'ai essayé aussi. Tu convoies par où, là? Est-ce que en fait, t'es pas raccordé, là, avec l'autre côté? Ah, bah voilà, ça explique tout. Donc à la limite,
On pourrait faire une rangée au niveau de l'essieu, le premier essieu arrière. Faire une rangée de convoyeurs. Ah bah non, il y aura la raffinerie à terme. Bah, si tu veux, on pose la raffinerie et ça te convoie. Eh bah parfait. Quoique. Ça va prendre de la place, non? Bah oui, mais surtout ça convoie pas grand chose parce que. Bah, c'est ce qu'on avait dit pour l'équilibre des charges. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? D'accord. Pour équilibrer les masses, on avait dit ça. Mais... On a que deux... Oui, il va falloir qu'on connecte vite parce qu'on a que deux tourelles. Donc... Bah attends, en provisoire, on peut connecter à l'arrache. Ah oui, du coup, non, la batterie, enlève la batterie. Non, on dégage là. On va remettre la tourelle au-dessus. Oups, zut. C'est pas vide. On a les 4 tourelles à la bonne hauteur. Bien. Pour connecter cette tourelle là. En fait, cette tourelle là, elle est pas au bon endroit. Il faudrait qu'on la recule. Il faudrait qu'on la mette à un endroit où on n'est pas pile au-dessus de la raffinerie. Bah ouais, ce serait mieux, ouais. Comme ça, on pourrait se connecter plus facilement. Je démonte. Oui, j'avais remis de la munition. Tu l'as ramassée? Ouais, ouais. La munition? D'accord. Oui, oui, je l'ai ramassée quand elle est tombée sur le... sur la jonction. Ah, bon, j'aime. Parce que comme ça, à la limite... On va rajouter une ligne de cargo là. Où est-ce qu'ils sont mes cargos? Cargo. J'ai tellement de trucs ouverts que je sais même plus où est-ce que j'avais rangé les cargos. Un truc qui ressemble à un conteneur cargo, s'il vous plaît. Ça m'énerve. J'en ai un, si tu veux. Je vais le poser où? Je vais faire une ligne horizontale, mais je vais retrouver mon bloc. Attends, conteneur. Conteneur. Ne cherche plus. Oui. Et puis on en met... Ah! On en met apparemment par terre. Boulet. Je te récupérerai après. Ah, on fait une ligne comme ça, ouais. C'est ouais, comme conteneurs. Ça. Ouais, c'est les conteneurs. Cool. En centre, comme ça, c'est bien au centre. C'est au-dessus de l'essieu. Ça répartit bien les masses. Ça semble pas mal.
Ah putain, je me suis fait griller. Ah, c'est bête. Ah oui, t'étais pas au bon endroit là. Ouais. Je récupère mon sac. Là. Voilà. Et du coup... jonction. Jonction. Elle a vu un truc comme ça, ça te dit pas ? Regarde, j'ai fait de l'autre côté. Ah si, ça passera pas avec les plaques. Non. Mince. Quelles plaques ? Les frames. Les blocs. Bah, à la limite, on a juste besoin de couvrir. Mais tu pourras pas couvrir là, t'as ta soudeuse qui est dans l'endroit où tu couvrirais. Ben oui, c'est là que je vais couvrir, mais quand ça passe pas. Ta soudeuse elle prend 3 par 3. Tu peux pas mettre un bloc au-dessus de ta soudeuse. La Gatling prend 3 par 3. De 3 par 3. Ah oui, la Gatling, oui. Ah oui, d'accord, ouais, non, je peux pas du tout. Du coup, il faudrait le mettre un cran plus bas. Ouais, mais là, ou alors en horizontal. Ah bah ça se tente, ouais, hein. Mais là, c'est... Il faut la mettre... comment ? Je vois pas comment tu peux la mettre. Comme ça. Alors je retrouve ma Gatling, je pose une Gatling et je suis à toi. Et là comme ça, ça peut marcher, mais. Bah non, pareil. Tu pourras pas mettre le bloc à ce niveau. Non, il faudrait la mettre au niveau de ce convoyeur là, à l'horizontale. Bon. Au niveau du convoyeur qui est ici. À l'horizontale. Ouais. Mais je suis pas comme sûr qu'elle l'atteigne. Bah, c'est le seul non, endroit où. Pas. Je pense qu'elle l'atteint pas. Non. Non, bah non. Je ne pense pas. T'as raison, ça fatigue. Bon, dommage. En pensée, ça fatigue. Non, mais elle l'atteindra pas ici. Ça coupe les yeux. Je pense. Donc, je suis. Pas mal. Des cadavres de vaisseau. On peut souder tout ça hein, déjà. On prend des plaques. Ouais. On peut souder tout ça déjà. Comme ça, on a un minimum de protection. Ça te dirait au milieu, on met que des vitres. Bah au milieu, je pensais mettre un étage plus haut, tu vois, comme j'ai fait à l'avant. Ah oui. Et potentiellement mettre les turbines au milieu. Et comment c'est maintenu là, l'étage du dessus ? Justement, c'était la grande question que je me posais, c'était pas maintenu. Il faudrait en remettre un demi à l'envers en dessous pour que ça soit. Ouais. Pour que ça soit maintenu. Ouais. Ou simplement... Je peux faire le demi. Non. Mieux. Attends. Non, je sais. On va s'appuyer sur les nouveautés de la version. Ah. Et on va prendre les panneaux lumineux. Ah. Ça, je connais pas. Bah, c'est des lumières, mais sous forme de panneaux. Donc tu vois qu'elles ont des... Là, je suis en train de les mettre en dessous.
Ouais. Ils ont des points d'attache. Comment ça s'appelle celui-là? Panneau lumineux en français. Donc light panel. C'est dans le DLC. J'ai pris le DLC. Par contre, tu dois pouvoir les souder quand même. Ouais, je vais m'occuper de ça. Je sais pas ce que je trimballe dans mon inventaire. J'ai des problèmes. D'accord, il y a un Fishing Rival qui est au-dessus de nous. Il se promène. Je sais pas ce qu'il veut faire. Comme on a vu le. Tu veux jouer? Ok, et comme ça, on peut remettre. Comme ça, c'est attaché. Terminé juste à temps. Attends. Ah purée. Je vais essayer de dégommer là, avec une tourette. Tourelle. T'en sors ou pas? T'as fait le clic droit pour voir où est-ce qu'il fallait tirer? Ouais, ça marche bien. Là, t'as le petit rond à. Faire des pièces. Bon. Idée, sinon. On peut viser les batteries, c'est ça? Ouais, mais s'ils sont juste au-dessus de nous, ils vont nous tomber dessus. Ouais. Ah, ça vise les weapons. Propulsion. Non, power system. Ah, mais s'il les voit pas, il arrive pas. Tu il va viser à travers là. À travers l'armure. Bon, moi je nettoie l'ancienne drill. Je les ai remises à 800 mètres. Ça peut être pratique. Effectivement. Ok. Ah non. Ah bah ils sont barrés apparemment. Tu leur as fait peur. Où suis-je? Ok. Oh, c'est pas mal, ouais, les panneaux lumineux. Sympa. Je sais pas s'ils sont allumés là par contre. Belle ambiance. Aussi, ça doit être. Bah, moi je les. Ils sont allumés. Je te confirme qu'ils sont allumés. Ah! Energy low. J'ai mis une vitre de protection pour passer à griller devant. Ah bah je me fais toujours griller, purée. Même avec une vitre devant la soudeuse, tu te fais griller. Ah oui, oui. Alors il y a plein d'endroits où. Hein?
qu'il faut faire pour mettre un bloc complet, peut-être ? Je sais pas. Ouais, sûrement, un bloc complet minimum. Non. Quoi ? Il y a le dessous hein, dont il va falloir s'occuper aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire en dessous ? Ben, il faut remplacer tous les blocs complets qu'on avait mis par des demi-blocs. Là déjà j'ai juste recouvert le dessous de la raffinerie. Histoire de boucher quoi. Le côté ou le dessous c'est quoi, pardon ? Le plancher vraiment le. Plancher de vache. Plancher, regarde. Bah, regarde à l'avant, regarde, tu vas voir, enfin, voilà, il faut qu'on remplace petit à petit tous les blocs complets par des demi-blocs. Ah. Tu vois ? Pourquoi ? Bah, parce que ça prend moins de place, ça offre plus de garde au sol, puis ça sera mieux si c'est tout pareil. Ouais. Pour des raisons esthétiques, majoritairement, quoi. Où est-ce que j'ai... Ça m'énerve, je retrouve jamais les... Non, c'est pas... Ah, comment on appelle ça en français ? Une éolienne ? Éolienne ? Oui. Peut-être pas la meilleure idée du monde. C'est dangereux, du coup, d'enlever les blocs. Ah ben, pas tous en même temps, oui. Il faut les faire... Ah, c'est dangereux, c'est quand même moins dangereux que de passer devant devant une soudeuse à... en fonctionnement. Ouais, non. Alors là où c'est pas dangereux, c'est au centre. Parce qu'au centre, on a déjà les. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis à peu près sûr qu'il n'y a rien qui va tomber si je fais l'idée. Si je fais ça où il n'y a rien, ça devrait aller. Oui, théoriquement. Sur les côtés, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que ça fasse joli ? Dit peut-être ça. Faire un essai. Non, bah toi forcément. Non, ça fait trop large. J'aime pas. Est-ce que peut-être... Peut-être directement comme ça. L'échelle, on la garde. Bah, il faudra qu'on trouve une solution pour remonter, mais... Ouais, elle est très haute, en fait. Je suis pas sûr qu'elle serve encore. Ah. Ah, elle servait. Il y a un bloc programmable qui est tombé. Ah.
C'était lequel? L'inventory manager. Ah oui, il reste que le solaire. Je copie le code et je vais le remettre. On a un coin qui marche pour ça. No energy. Ouais, ça pourrait être pas mal comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Ça lui fait une petite tête devant, comme une tortue. Mais avec des pattes. Oui. Et sur les côtés, bah soit on peut se mettre des vitres sur les côtés, tu voulais des vitres. Ouais, soit... Et pas trop non plus, peut-être juste un bloc de vitre parce que ça va faire un peu léger niveau protection. Le bloc le plus haut en vitre. C'est 3 par 2 les gros blocs de vitre. Ou peut-être 3 par 2 effectivement, ouais. Bon, déjà, je vais mettre une longueur de ça. Ok. Ah, t'as retiré. Attends, laisse-moi juste retirer un truc. Retirer quoi ? Pour voir le convoyeur qu'on essayait de voir tout à l'heure. Ah oui. Ah, il est bien. Attends. Sinon, démonte-le en partie pour s'assurer de ce qu'il y a en dessous. Ouais. Bah oui, il y a une porte, c'est bon. Ouais. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, ouais, il est bien. Quand même bizarre. Attends, celui-là. Oui. Ils ont peut-être changé des... Ou c'est peut-être parce qu'on n'était pas connecté de chaque côté quand j'ai essayé de retirer des pièces. Je ne sais pas. Je vais faire un test. Non, je peux rien déposer dans le truc. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!